Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Florence et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Flo du Var sur Ravelry et Instagram. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent de d'habitude parce que comme nous sommes début janvier, j'ai terminé ma couverture météo et je voulais vous en parler plus en détail. Donc c'est un épisode exclusivement consacré à cette couverture parce que nous sommes le 3 janvier, donc il serait encore temps pour celles qui le veulent de commencer leur couverture si elles en ont envie. Donc je vais vous rappeler tout le projet depuis son début, les différents choses que j'ai choisies, les difficultés que j'ai eues et peut-être si j'ai quelques conseils à l'occasion. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une couverture alors, une couverture météo, c'est temperature blanket in English. C'est une couverture. Alors, moi j'ai fait une couverture, mais ça peut être n'importe quel tricot, hein. Ça peut être un pull, ça peut être une écharpe, ça peut être différentes choses que l'on va tricoter sur une période donnée. Tous les jours, on va faire un aller-retour en tricot et on va choisir pour cela la couleur qu'on aura déterminée à l'avance en fonction des températures du jour. Alors, je vous montre rapidement, c'est-à-dire qu'avant de commencer ce projet, il faut établir une échelle de température. Alors, moi je me suis basée sur les températures de ma ville. Je vous rappelle que je suis au Québec, en Gaspésie, c'est-à-dire tout en haut, à l'embouchure du Saint-Laurent. J'étais partie sur des températures du Québec en général. L'expérience m'a montré qu'elles étaient différentes ici, mais c'est pas grave. Donc, moi, j'ai choisi de faire des intervalles de 5 degrés. Et à chaque... on est un peu plein, mon carnet. À chaque intervalle correspond une couleur. Et donc, tous les jours... J'ai regardé la température qu'il faisait chez moi et j'ai tricoté avec la couleur indiquée par la température. Alors, j'ai fait le choix de prendre la température à midi. Je sais que certains préfèrent utiliser la température moyenne de la journée. Et pour ça, il y a un site, je crois que tous les sites météo l'indiquent à peu près, mais sinon je vous mettrai le lien, je crois qu'il y a un site qui s'appelle temperatureblanket.com ou quelque chose comme ça, qui indique que pour la ville où vous habitez, la température moyenne. C'est au choix, d'accord? Moi j'ai voulu faire la température à midi tous les jours. Je prenais la température sur le thermomètre de ma terrasse. Quand j'étais absente, je prenais la température sur l'application de mon téléphone. Ça, c'est vous qui choisissez. Tout comme les paliers. Moi, j'ai fait des paliers de 5 degrés parce que l'amplitude était quand même grande. Je vais de moins 15 et moins jusqu'à 30 et plus. C'est sûr que si j'étais restée dans le Var en France, le minimum c'était peut-être moins 3, allez, moins 5, youhou! Et le maximum 40, je pense. Donc ça, c'est en fonction de votre région. Voilà. J'ai 11 couleurs, là aussi c'est un choix, on peut en faire plus, on peut en faire moins. C'est toujours. Alors, pour le modèle, je voulais pas juste faire des lignes et je voulais que ça soit au tricot.
Donc moi, ça fait des chevrons. Et pour ça, je suis partie d'un modèle gratuit que l'on trouve sur Espace Tricot et qui s'appelle la Chevron Baby Blanquette. À la différence, c'est que initialement, ce patron est prévu pour des laines, je crois, en 6, tricotées en 6 ou 5, ou enfin beaucoup plus grosses que la mienne. Donc il a fallu que j'adapte. J'ai marqué tous les détails sur ma fiche Ravelry. Mais rapidement, je l'ai tricotée en 3,5. Je voulais qu'elle fasse 90 cm de large. Donc, j'ai monté 273 mailles. Et cette partie-là qu'on répète tout le long, je l'ai également adaptée parce que moi, il y a 15 mailles entre ici en fait. À chaque partie, il y a 15 mailles. Ça, c'est vous qui l'adaptez. Il faut vraiment faire un échantillon avant, mais ça s'adapte assez facilement. Après, le modèle n'est vraiment pas compliqué. Quand on est en haut, on fait un jeté avant, un jeté après. Mais pareil, je vous ai marqué exactement ce que j'ai fait. Moi, j'avais mis un petit anneau marqueur ici pour me repérer facilement. Et pour faire le creux ici, c'est une augmentation double, une maille double. On fait glisser deux mailles ensemble, on tricote la suivante et on rabat. Donc, ça fait ça. Voilà. Que vous dire de plus? Alors, moi, je l'ai tricoté en fil d'art, la partenaire 3,5. C'est un mélange laine et acrylique. Il faut savoir que c'est quand même un projet conséquent. C'est sûr que ben, laine acrylique, c'est peut-être moins agréable, on va dire, qu'une couverture 100% laine. J'ai fait aussi avec ce que je trouvais à côté de chez moi. Enfin, à côté, à 1 heure de route, mais à côté de chez moi. C'est difficile, quand on se lance dans ce projet, d'estimer la quantité de laine dont on va avoir besoin. Parce que, ben, à moins de prendre les températures pendant 1 an et de ne la tricoter que l'année d'après, on ne sait pas à l'avance les températures que l'on va avoir. Et j'avoue que ça a été un petit peu compliqué parce que régulièrement, il fallait que j'aille m'approvisionner en laine. Donc, si vous avez un magasin à côté, ça aide, c'est plus facile. D'autant plus si la laine est continue, c'est-à-dire facilement reproductible, ce qui est le cas avec les laines commerciales, c'est quand même relativement facile. Sauf comme moi, quand j'ai choisi des laines qui... c'était des laines de l'année dernière et ils arrêtaient le coloris cette année. C'est le cas pour mon turquoise. Donc quand j'ai su que la laine, le coloris s'arrêtait, je suis vite allée faire provision de cette couleur-là dans le petit magasin pas très loin pour être sûre d'en avoir tout le long. Après, j'ai envie de vous dire que ce sont des rayures et que, bon, c'est pas exactement les mêmes couleurs, c'est peut-être moins gênant que sur un pull. Alors, le modèle, c'est fait, la laine, c'est fait. Je vous la montre quand même. Alors, en janvier, je suis partie là. En février, là. Pas du tout, ça c'est la fin. M'étonner aussi que l'hiver soit si court. Je recommence. Donc, janvier, beaucoup plus froid. Janvier, là. Février. Mars, on continue. Avril, ça commence à se réchauffer.
On continue, le printemps arrive, enfin. Ensuite, on arrive en été. Avec mes deux petites bandes rouges là, j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Et puis bon, ben, l'automne arrive vite, hein. Mais on a quand même eu des belles journées. Et on termine à nouveau en hiver. Voilà. J'ai voulu marquer les mois. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps ces petites lignes pointillées en blanc. Voilà. Alors qu'ils se voient plus ou moins, c'est sûr que. Alors. Voilà, celle qui tombe dans le jaune. Voilà, ou dans le vert clair, on ne les voit pas beaucoup, mais elles y sont. C'est les. Oui, celle-là, on ne la voit pas du tout d'ailleurs. Là. Ce sont les délimitations du mois. Alors, ça, c'est un truc auquel je n'avais pas réfléchi avant de commencer le projet. Donc, j'ai cousu avec un brin blanc ces petits pointillés. Enfin, je suis passée dessus, dessous, dessus, dessous. Mais le sachant à l'avance, on peut l'anticiper. La première chose qui existe, c'est par exemple de faire un rang en point mousse si votre couverture est en jersey. On peut délimiter en faisant par exemple le 31 du mois en point mousse, comme ça fera un petit relief. On peut également faire un rang avec un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble. Ça va vous faire un rang et avec des petits trous. Pareil pour le 31, enfin pour le dernier jour du mois, ça, c'est une façon de séparer les mois. C'est pas obligatoire aussi, hein. On peut aussi ne rien faire et laisser tout ça comme ça. Mais moi je trouvais sympathique de pouvoir de façon discrète voir les mois. Par rapport aux quantités, alors moi ma couverture fait 90 de large, donc c'est un lit, une place, c'est ça? Et par contre, elle mesure 2,50 m, quasiment 2,50 m de long. C'est ce que j'avais à peu près prévu quand j'ai fait mon échantillon. J'avais compté que. J'avais vraiment fait 10 rangs et puis bon ben on multiplie hein, 365 jours et on a une idée de ce que ça va donner. Moi, elle n'est pas faite pour être sur le lit, elle est faite pour rester sur le canapé, pour regarder la télé bien au chaud. Donc on peut s'y mettre à deux dessous et ça nous va très bien. Je trouve qu'un carré sur le canapé, c'est pas très pratique. Il faut dire aussi que souvent c'est moi qui l'utilise et mon chéri n'en a pas besoin. Donc, elle me va très bien avec ce format-là. Je vais vous donner les quantités. C'est vraiment pour indication parce que ben, ça dépend de la taille et puis ça dépend de vos températures, mais ça vous donne à peu près une idée. Alors, le bordeaux, qui était ma couleur la plus froide de. En dessous de moins 15, j'en ai utilisé 53 grammes. Ça veut dire qu'il m'a fallu quand même 2 balles pour le faire. Le marine, qui est entre moins 10 et moins 15, il m'a fallu 106 grammes. Ça veut dire quand même 3 balles. La couleur denim, ici, qui est entre moins 10 et moins 5, il m'a fallu 80 grammes, c'est-à-dire 2 balles. Ensuite, on passe au bleu, le bleuet, là, celui-là, qui est entre moins 4 et 0, enfin entre moins 5 et 0, il m'a fallu 143 grammes, c'est-à-dire 3 balles. Le turquoise, ici,
entre 1 et 5, 154 grammes, 4 pelotes, 4 balles. J'ai du mal des fois entre le français et le québécois. Ensuite, je suis passée au vert foncé. Le vert foncé entre 1 et 5 degrés. Non, pas du tout. Entre 6 et 10 degrés. Il m'en a fallu 141 grammes, c'est-à-dire 3 balles. Ensuite, le vert clair. Entre 11 et 15 degrés, il m'en a fallu 157 grammes. Donc, 4 balles. Ensuite, je passe au jaune clair. Entre 16 et 20 degrés, il m'a fallu 172 grammes, donc 4 balles aussi. Le jaune un peu plus foncé, entre 21 et 25 degrés, 176 grammes, 5 balles. Yeah! Bah ouais, mais vraiment pour pas grand chose. Là, j'ai utilisé des restes aussi, je me rappelle. L'écureuil, donc c'est le orange. Entre 26 et 30 degrés, il m'a fallu 54 grammes, donc 2 balles. Et le rouge, 8 grammes, donc une seule balle. C'est pour les températures supérieures à 30. Voilà. J'ai rentré toutes ces données sur ma fiche Ravelry, si ça peut vous aider, si ça peut vous donner. Alors c'est sûr que il me reste beaucoup de laine, hein, parce que quand par exemple, pour le rouge, j'ai utilisé 8 grammes, il m'a quand même fallu une balle entière. L'écureuil, là, le orange, il m'a fallu 54 grammes, j'avais quand même prévu 2 balles, donc il m'en reste quasiment une. C'est sûr qu'il y a des restes, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres projets à faire, d'affaires avec. Au total, au total, j'ai utilisé 1245 grammes de laine. Ouais, ça fait son petit poids. Et j'ai utilisé 33 balles de laine, en sachant voilà qu'il m'en reste. Dans la théorie, j'en ai même acheté plus que ça, parce qu'il doit m'en rester 5 entières que je n'ai pas utilisées. Ça fait un peu plus de 3000 mètres de laine. Voilà. Si je ne vous ai pas perdu avec tous ces nombres, ça sera super, n'est-ce pas maman? Mais voilà, 3000 mètres de laine, c'est un joli projet. Dans les choses que j'aurais souhaité améliorer, mais petit regret, mais c'est pas, il n'y a pas grand chose. Le premier, c'est le vert foncé qui est ici. Je trouve qu'il est un peu trop foncé. J'aurais aimé un vert, pas de vert dans la chambre de ma fille, un vert un peu plus vif, parce que de loin, on a l'impression parfois que le bleu marine et le vert se ressemblent. Bon, là, on voit bien la différence, mais de loin, parfois, on les confond, donc un vert un petit peu plus vif aurait été un peu mieux. Mais bon, c'est pas toujours évident de trouver la bonne couleur. J'ai privilégié le fait d'avoir tout le temps la même qualité de laine pour que ça soit quand même plus régulier. Voilà. Mes petits regrets sur le vert. Autre petit regret, je n'ai pas pensé, alors, une erreur de débutante, mais je sais pas. Je n'ai pas pensé à faire de bordure au début. Donc, ça roulotte, et sur les côtés, j'ai glissé la première maille à chaque fois, ce qui est assez joli de ce côté, même sur l'envers. Voilà.
J'ai juste glissé la première maille, donc ça c'est sympathique. Par contre, du côté où j'ai rentré les fils, c'est beaucoup moins net. Vous voyez? On va aller savoir pourquoi là ça fait une bosse. Mais voilà, c'est... Bon, après je pinaille peut-être un peu. On est d'accord que quand elle est sur moi, la couverture, ça me va très bien. J'ai pas, c'est pas très grave. Mais ça serait à refaire. Je ferai attention et je pense que je créerai une soit un i-cord sur le côté. Je pense qu'un i-cord c'est bien. Ça aurait permis aussi peut-être de rentrer les fils, de cacher les fils pour éviter de les rentrer. Parce qu'alors autant vous dire, et ça c'est un conseil qui est, je pense, assez important, c'est de rentrer les fils. Alors, je ne l'ai pas fait au fur et à mesure. Je les ai pas tricotés mes fils. J'ai vraiment arrêté. Enfin, quand j'arrivais au bout du rang, je coupais, je laissais 5 cm et je repartais avec une autre couleur. Résultat, j'avais vraiment plein de franges. Mais une fois par semaine, j'essayais de rentrer les fils parce que pour que ça soit assez discret, j'ai toujours rentré mes fils dans la couleur. Dans la couleur de la rayure. Alors ça se voit un petit peu et puis en plus comme ça rend le tissu un peu moins élastique et voilà, mais dans l'ensemble c'est quand même je suis assez contente de moi, mais on est d'accord que c'est long quoi et qu'il y en a plein. Alors il y a juste quand par exemple ça faisait des rayures comme ça, là j'ai fait suivre le fil, j'ai pas coupé à chaque fois. Une alternance de un jour, je faisais suivre le fil. Par contre, dès qu'il y avait 2 jours, je coupais et je recommençais. Voilà, donc elle aurait aimé, je pense, j'aurais apprécié de faire une petite bordure au début pour éviter que ça roulotte et une petite bordure sur le côté, soit en i-cord, soit, je sais pas moi, 3 points de mousse, pour que ça soit un petit peu plus régulier. Mais bon, voilà quoi, ce n'est qu'un petit détail. Pour vous montrer, ça c'est tout ce que j'ai coupé. Alors tout ou seulement ça, je ne sais pas comment faut le voir. Il y a beaucoup de fils blancs parce que je les avais laissés dépasser le temps que ça se mette bien, que ça s'étire. Voilà, mais ce sont tous les petits bouts que j'ai coupés. Et puis voilà, je ne l'ai pas lavée, encore moins bloquée. Elle sert comme ça, déjà parce que sincèrement, elle fait son poids, elle est assez encombrante. Que 2,50 m à faire sécher, à part dans mon couloir, j'ai pas d'autre endroit. Et alors si je condamne le couloir pour faire sécher ma couverture, on est d'accord que tout le monde va passer dessus, donc non. C'est pas grave, elle est très bien comme ça, j'en suis très contente. C'est un beau projet, c'est un beau souvenir ici puisque c'est ma première année entière au Québec. Donc voilà, j'en suis très contente. Pour 2023, il n'y aura pas de nouveaux projets comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ça... Je l'ai réalisé dans le cadre d'un cal que Cécile avait organisé. C'était le cal Projet Épique 2022. Et Cécile, c'est le blog Tricote et Papote, je crois. Papote et Tricote. Je ne sais plus. Je suis désolée, Cécile. Mais je vous mettrai les références en dessous. Donc non, je ne ferai pas de nouveaux projets météo en 2023. Parce que c'est quand même assez prenant. Alors, c'est pas désagréable. Moi, c'était mon tricot télé idéal. Parce que, franchement, une fois qu'on a mis les repères pour savoir où faire les jetés, j'avais pas besoin de compter, j'avais pas besoin de réfléchir. Ça se faisait tout. Pardon. Je viens d'éternuer. Plusieurs fois.
Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est quand même. Alors, dans la journée, ça me prenait, on va dire, entre 15 et 20 minutes par jour pour faire l'aller-retour. Donc, je le faisais en général un jour sur deux en regardant la télé. Ça m'allait très très bien. Mais bon, ça prend quand même du temps, ça prend de la place. C'est quand même aussi un budget. Donc, il n'y aura pas de projet 2023. D'autant plus que ben, je me vois mal avoir deux couvertures météo, quoi. Une, ça me suffit amplement. Et en plus, je ne sais pas où est-ce que je serai l'année prochaine, si on va déménager ou pas, rentrer en France, rester au Québec, déménager au Québec. Ça fait partie des grands mystères de l'année à venir. Donc, non, pas de projet météo en 2023, mais ça va quand même me laisser le temps d'y réfléchir pour 2024. Parce que c'est quand même assez fun à faire. J'ai envisagé à un moment de faire des chaussettes météo. Mais je sais pas. Il faut quand même 365 rangs. J'ai aucune idée de combien il y a de rangs. Il y a combien de rangs sur une chaussette. Mais bon, enfin voilà, je sais pas du tout. Je vais y réfléchir, ou alors je fais des chaussettes qui montent au genou. Bref, je ne sais pas du tout. J'ai un an pour y réfléchir, pour savoir ce que je ferai en 2024. Je me vois mal faire une écharpe. Voilà. Bon, bref, je sais qu'il y a plein de possibilités, mais pour l'instant, je vais me satisfaire de cette couverture. Autant vous dire qu'elle est fort appréciée. Pour regarder la télé et puis voilà. Je vous la remontre une dernière fois. Je remonte. Oh, on voit même plus. Et il est 3h30, il fait nuit déjà. C'est quand même. Ouais, non, je vous la remonte pas parce qu'en fait on voit plus rien. Voilà. Mon doudou. De l'année. Hop là. Bon, ben voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, vous auront décidé à vous lancer dans ce projet. C'est. Oh ben non, elle est sur l'envers. Ça va pas du tout. Oh. Voilà, bon, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Et puis voilà, amusez-vous bien, profitez bien, tricotez bien, et puis on se retrouve dans quelques jours ou semaines pour un épisode un peu plus classique. Bye bye!